Salut, salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien. Moi, je me porte à merveille. C'est toujours une grande joie pour moi de revenir avec une vidéo de la sorte pendant cette saison de festivités. Donc, pour Noël et bien sûr le nouvel an qui va bientôt commencer 2024. Donc, je viens avec empressement pour exprimer ma joie et ma gratitude envers Dieu. Oui, parce qu'il nous a protégés, il m'a protégée durant tout le long de cette année 2023 qui va bientôt terminer et pour 2024 qui va commencer. Mais spécifiquement, je suis venue pour exprimer la joie que j'ai ressentie pendant que je regardais Majabu Rafiki. La prestation du petit Njoyel Mbuluku m'a tellement éblouie et je n'ai pas cessé à penser à cela. J'ai repensé à cela plusieurs fois dans la nuit et je me suis réveillée et toujours sa prestation me revenait dans la tête. Alors c'est la chanson Mobundeli Nangai du frère Denis Ngonde. Donc le troisième couplet m'a tellement touchée que je me suis dit que nous ne pouvons rien faire sans l'aide de Dieu, l'aide de Jésus-Christ. Chacun a ses batailles, mais nous avons une seule solution, c'est de trouver, de chercher plutôt la face de Dieu. Jésus-Christ est là pour nous aider à surmonter ces batailles, à sortir vainqueur et à sortir de là vivant ou vivante. Et le troisième couplet dit ceci. Les rythmes, ça va peut-être déranger, mais sinon, vous allez comprendre, ou si vous savez, vous savez déjà la chanson. Le troisième couplet dit ceci. Kolo talabanguna nangai, batie miango kolimuisangai, batie mitambo na Babosani oyo akobomba kangai Yesu Christo. Mobateli nangai, molobeli nangai, mobundeli nangai, ebombamelo nangai. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Il est notre protecteur. Il est notre défenseur. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Vous connaissez cette chanson de la sœur Faver Moukoko. Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nul ne vient à lui et qui rendre honteux son visage couvert de honte, non. Ou bien pas de réponse, non. Si nous sommes sincères, vraiment, je ne vois pas là où le Seigneur ne va pas répondre. Il répond à tout le monde, sans exception. Je suis vraiment reconnaissante pour la paix. J'ai prié pour que 2024 soit pour tout un chacun une année de paix, de prospérité, de tranquillité. Une année où nous avons des opportunités d'agrandir notre foi en Dieu. Pour que notre amour pour lui grandissent du jour au lendemain. Pas seulement l'amour pour Dieu, l'amour pour Jésus-Christ et son Fils, l'amour du Saint-Esprit, l'amour des saints anges, pourquoi pas l'amour des personnes tout autour de nous. Et que l'amour mondain, l'amour du monde soit anéanti et chassé loin de nous dans les lieux arides. Que nous puissions délaisser l'amour du monde. Que nous puissions trouver premièrement la face de Dieu et tout ce dont nous avons besoin nous sera donné par-dessus tout. Je sais que ce n'est pas facile, mais celui qui continue toujours à chercher trouvera, parce que je ne vois pas vraiment, je ne vois pas pourquoi Dieu délaissera celui qui vient à lui. Donc, encore une fois de plus, pour terminer, clôturer cette vidéo, bonne année, joyeux Noël! Joyeuse fête de Noël à tout le monde. Passez des moments merveilleux. Et aussi pour nous préparer donc quelque peu de jours qui restent pour entamer
2024. Que l'année 2024 commence avec beaucoup d'ambiance, beaucoup de bonheur, de paix, de tranquillité, de joie. Et je vous revois prochainement dans une autre vidéo. Sinon, prenez soin de vous et passez une bonne journée ou une bonne soirée là où vous êtes. Bye bye.